Last but not least, I'm delighted to welcome here from the French Parliament, of course, and somebody who knows Europe very well as a former member of the European Parliament, Jean-Louis Bourlange. Monsieur, you have the floor. I'm curious about your input. Oui, je dispose d'un privilège, c'est qu'on ne me pose pas une question précise. Je vous remercie. Oui, je voudrais me parler de façon un petit peu différente, c'est-à-dire à la fois à plus long terme, me situer sur un niveau d'une temporalité un peu différente, et puis de façon plus politicienne. Et vous avez parlé avec de grandes idées, je voudrais faire un peu de tambouille politicienne à quelques mois des élections européennes, parce que je crois que c'est intéressant de voir comment l'Europe se situe, le projet européen se situe par rapport à nos sensibilités sur le long terme, et comment ça se présente sur les échéances électorales. Alors je pense que la première chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est le caractère profondément contradictoire des évolutions auxquelles nous sommes confrontés depuis maintenant la fin de la guerre froide, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. On a à la fois une remontée profonde après une période de disparition illusoire de la menace. On a une montée absolument profonde de toutes les menaces qui crée à nouveau une pression à l'unification européenne extrêmement forte. L'Europe ne s'est jamais mieux portée que pendant la guerre froide, et notamment pendant la seconde guerre froide, celle qui a précédé l'effondrement de l'Union soviétique, et l'Union européenne est ressentie à nouveau comme extrêmement nécessaire du fait des menaces géopolitiques, agressivité soviétique, russe, pardon, incertitude américaine, menaces islamistes, des menaces économiques avec l'émergence de la Chine, comme on l'a vu, et maintenant d'une Chine véritablement assez dure. C'est pas le doux commerce, c'est quelque chose de différent. Menaces écologiques avec les problèmes climatiques qu'on a évoqués avec Laurent Fabius et qui nous donnent vraiment le sentiment qu'on ne peut faire face à tout cela qu'ensemble. Nous sommes, de ce point de vue-là, jamais la phrase de l'évangile d'Emmaüs, il se fait tard, restons ensemble, n'a été aussi forte. Et puis, parallèlement à ça, on assiste à une fragmentation totale des sociétés politiques. Alors, évidemment, ça frappe d'abord la plus grande, c'est-à-dire l'Union européenne, d'où une menace des attaques idéologiques contre l'Union européenne, contre le système de Bruxelles. Mais je suis très frappé du caractère parallèle entre les mouvements de dislocation, les menaces de dislocation qui frappent l'Union européenne, et la fragmentation de nos sociétés nationales. De ce point de vue-là, le Brexit est exemplaire. On a à la fois une tentative de rupture, une tentative réussie, de rupture du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, et jamais en même temps, le Royaume-Uni n'a été travaillé de forces centrifuges aussi vigoureuses depuis plusieurs siècles, pardon. Mais c'est la même chose en Espagne, évidemment, avec la Catalogne. On a vu des tas de nations, notamment celles qui avaient été constituées à l'initiative de la France, la Belgique, de la France et de l'Angleterre, la Belgique dans les années 30, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, qui sont soit détruites, soit menacées de destruction. On a partout un repli sur des valeurs ethniques, et à l'intérieur de nos sociétés, on a une fragmentation sociale, une fragmentation politique, une crise des partis généralistes et des mouvements qui se tournent de plus en plus vers le small is beautiful. Et en France, on a vu cette forme extraordinaire de sociabilité politique qui était la ZAD, la zone à défendre, c'est-à-dire quelques arpents de terre autour d'un aéroport à protéger ou d'une centrale à éviter. Donc on a une fragmentation générale. Et entre ces deux mouvements,
comment ces deux mouvements sont profondément contradictoires. L'un est centripète, il favorise la réunification, la constitution d'une union forte, sur d'autres bases d'ailleurs que l'union simplement ouverte, une union peut-être plus défensive, une révolution copernicienne, l'Europe au milieu des nations et non pas les nations au cœur de l'Europe. Et puis en même temps, nous avons ces forces d'implosion qui font que rien ne va, que on a un repli identitaire, un repli protectionniste, un repli anti-élitiste et une incapacité à dégager des actions communes. Alors face à cela, on a, je crois, un chamboulement très profond du jeu politique européen. Je le définirai assez simplement en disant, premièrement, un recul profond. Et ça, Emmanuel Macron devrait en être conscient, plus conscient qu'il ne l'est, me semble-t-il, un recul profond du progressisme européen. Le progressisme européen, c'est quelque chose de formidable. Hein. On a notre Europe, cher ami Borrell, on l'a développée. C'était à la fois l'idée, sur le plan économique, la mondialisation, c'est très bien. On se heurte au protectionnisme. Deuxièmement, sur le plan des valeurs, c'est l'Europe migratoire. Il faut échanger, accueillir l'Europe. Et sur le plan de l'organisation politique, ce qui compte, c'est la défense des droits fondamentaux. Ça fait un corpus très fort, un corpus qui existe, un corpus qui est encore puissant, notamment à la Commission, mais c'est un corpus qui est électoralement en position très délicate. Par rapport à ça, vous avez une tendance conservatrice. Ce qui domine, c'est la conservation. On veut conserver le climat, on veut conserver nos populations et nos modes de vie, on veut conserver notre niveau de vie, on veut conserver l'euro, on veut conserver la sécurité. Vous avez tous les projets actuellement, et ce n'est pas d'ailleurs illégitime, moi le conservatisme est quelque chose de tout à fait légitime, mais les projets sont conservateurs, y compris chez ceux qui sont réformateurs. Ceux qui sont réformateurs veulent réformer pour conserver. Et alors là, le conservatisme prend deux formes. Une forme gatopardiste, changer quelque chose pour que tout reste pareil. C'est en fait le mainstream actuellement. Qu'est-ce qu'on peut changer? Il faut faire plus d'Europe aux frontières, plus de contrôle européen aux frontières, il faut faire plus de solidarité de la zone euro, il faut avoir une politique beaucoup plus volontaire et cohérente en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il faut affirmer notre sécurité pour nous protéger contre des menaces extérieures, il faut renforcer la lutte contre le terrorisme et il faut effectivement défendre bec et ongles nos valeurs démocratiques. Donc tout un ensemble de choses qui conduisent à donc un courant qui est un courant que je qualifierais effectivement de d'euro-réformiste, c'est-à-dire à la fois conservateur et européen. Et puis à côté de ça, on a un mouvement conservateur réactionnaire ou révolutionnaire qui dit on ne peut pas se satisfaire de tout ça, tous ces gens nous mènent à l'abîme, il faut donc réagir très profondément. Et là, ça donne les courants populistes avec leur triple déclinaison, identitaire, c'est-à-dire souverainiste, ça, bon, protectionniste, xénophobe, hein, je fais la gradation. Ensuite, un courant égalitaire, c'est-à-dire on en a assez d'être dirigé par des élites qui nous mènent à la mondialisation, à tout ce que nous ne voulons pas, etc. Et ça, c'est un courant au sens strict du terme populiste. Et enfin, un courant autoritaire. La démocratie, ça ne nous permet pas de nous battre. Il faut remettre en cause le libéralisme. Alors ça, c'est la seconde tendance. Alors le problème, c'est entre ces trois forces que le jeu politique se joue, un progressisme qui a un peu de plomb dans l'aile, un conservatisme gatopardiste qui cherche une voie moyenne et un conservatisme ultra-réactionnaire. Le conservatisme ultra, alors comment ça se distribue? Je termine par là. Comment ça se distribue et comment ça peut se distribuer sur le plan des élections européennes? Le populisme, le conservatisme réactionnaire est très fort, mais il est limité. Il est limité parce qu'il est révolutionnaire et que donc il fout la trouille. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Nicolas Véron à l'instant. L'euro, je ne parlerai pas économiquement, mais politiquement, c'est une réussite absolue. Tout le monde se rallie à l'euro.
de tous les mouvements de droite. Alors, d'abord, ça a commencé par Tsipras, qui a fait une vraie conversion. Ça a été suivi par Podemos, je parle de la gauche. À droite, ça a été suivi par Geert Wilders, c'est la droite néerlandaise, la droite autrichienne. Tous ceux qui étaient dans une attitude de contestation ont accepté l'euro. Et donc, on a une espèce d'affadissement du discours anti-européen d'une partie du populisme. Et en même temps, électoralement, toutes les projections qui sont faites, on vient de faire une étude à l'Institut Jacques Delors là-dessus qui est assez intéressante, où on montre que les mouvements populistes devraient plafonner autour de 20-25% et ne seraient absolument pas en mesure de représenter une contre-majorité. Deuxième mouvement, la fin du condominium. Du condominium PPE-PSE. Pourquoi ? Parce que et la droite et la gauche sont traversées en profondeur par le combat à gauche progressiste contre conservatisme révolutionnaire, disons la sociale, disons Borrell contre Mélenchon, si je puis me permettre de dire les choses de cette façon-là, et avec une très grande difficulté, hélas, pour les sociodémocrates de garder leur position, donc une pression assez forte, et en tout cas, une très grande difficulté à avoir une cohérence parfaite sur le plan idéologique. Et à droite, du côté du PPE, c'est la même chose. Le PPE est profondément divisé. Il va garder Orban, c'est certain, mais l'échéance essentielle, c'est de récupérer la Pologne. Si on récupère la Pologne, et les élections ne sont pas mauvaises de ce point de vue-là, ce qui s'est passé il y a quelque temps, si on récupère la Pologne, les Hongrois deviendront ce qu'ils ont toujours été, ce qu'ils ont toujours vocation à être, c'est-à-dire les plus intelligents des marginaux et les plus marginaux des intelligents. Ça, c'est une autre affaire. Donc, on a une implosion et donc le condominium ne peut plus marcher. Mais en même temps, le système partisan, et j'ai oublié dans les valeurs conservatrices, enfin, je l'ai peut-être mentionné, mais l'écologie. Au centre, on va donc avoir un système. Sir. Alors, Macron avait bien espéré faire une sorte de parti hégémonique au centre. Ça ne marchera pas, parce que les forces sont trop implosées. Il y a trop de conservatistes, il n'y a pas de volonté d'aller trop loin. Et maintenant, on a donc un système multipartisan qui va être à la fois extrêmement complexe, parce qu'il mélangera une partie du progressisme qui sera notamment qui reste très fort à la Commission, dont le mainstream sera le conservatisme gâteaupardiste, qui sera flanqué d'éléments assez fédéralistes qui ont pour eux la logique, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose en Europe, il faut avoir de l'argent, donc un budget, et il faut avoir des institutions, donc de la majorité qualifiée. Sir. Mais ce n'est pas du tout à la mode, je finis. Et vous avez enfin les écologistes. Yes, tout ça va construire un système qui va être en réalité assez central, qui va rester assez central, mais qui va être confus. Et nous pouvons citer en conclusion, je crois que la vraie devise de l'Europe, ça a toujours été celle du grand poète belge, Henri Michaux, « Ne désespérez jamais, faites infuser davantage ». Thank you, gentlemen. I think I speak for all here in the audience. I, for one, am overwhelmed by the energy and passion that you have put on here this morning. Clearly, you are concerned about the state of Europe and you want the state of the Union to succeed. I think that has become very obvious.